Ça commence bien cet opéra. Pour tout vous dire, on ne vous a pas épargné. La première chose que vous avez à faire, c'est de tuer un monstre. Voilà. Histoire de vérifier que vous êtes à la hauteur tout de suite. Et monstre, on ne laisse aucune chance. Vous êtes prêts? Et on fera nous. Et on lâchera tous ensemble. Alors la flûte enchantée, ou plutôt la flûte à chanter, en l'occurrence pour cette production, a été adaptée en français et un peu écourtée, je pense que maintenant ça fait environ 1h20, pour que le public puisse venir chanter et tenir un vrai rôle dans l'opéra. Pour que tous les enfants ou tous les gens qui n'ont pas l'habitude de chanter puissent participer à ce moment-là et l'espace d'une production, être un artiste. Le monstre est mort. Depuis le début, monstre est mort. Là, on a fait la première répétition, donc on découvre un petit peu les textes qu'on avait déjà vus sur CD et on est assez impatient de continuer. On chante, on est là, c'est marrant, ça nous mélange une bonne ambiance, c'est super. Je trouve ça une très grande chance pour tout le monde, moi y compris, de se dire qu'on va pouvoir tous chanter dans ce qui est une des plus belles salles, j'imagine, je ne l'ai pas vue. Mais je trouve ça formidable d'ouvrir ça à tout le monde, d'ouvrir cette chance-là. Il y avait un grand opéra et les gens chantaient et parlaient aussi des fois et nous on chantait les morceaux qu'on avait appris. Dans ces genres d'expériences, c'est l'expérience humaine. C'est cette communauté qui se forme entre public, orchestre, chanteur, et qui n'est pas toujours, parce que des fois il y a une barrière entre la musique et le public. Et là, on était vraiment, il n'y avait pas, on vibrait tous ensemble dans un chant commun. C'est comme dans les autres domaines de la vie, d'une certaine manière, quand on se met à participer, on est tout à fait impliqué différemment. Et pour ce qui est de l'éducation à la musique, à mon avis, pour les enfants, ça change absolument tout. J'ai bien aimé quand la Reine de la Nuit elle a commencé à chanter, parce que c'est le chant le plus difficile que j'ai jamais entendu. Vivre en même temps le concert, de participer, de suivre. Enfin, j'ai l'impression qu'on était encore plus acteurs, on suivait plus, on était plus attentifs aux choses. Donc je trouve ça vraiment une super idée. Ça sonne si chouette, ça sonne si bien. Instruments et il y avait des spectateurs qui regardaient et nous on était en train de chanter. Sur la fin, c'est vrai qu'on était assez émus avec aussi l'autre maman. Oui, c'est un beau moment.